accepteriez-vous de sortir avec un ex de votre ami? Oui, si c'est son ex, il n'est plus avec elle, il est revenu sur le marché. Ouais, ça causera pas des ennuis entre vous? Non. Ah ouais, pourtant ça dérange pas aucun problème. Si ça cause des ennuis entre nous, c'est qu'on n'est pas vraiment amis. Ah ouais, même si c'est ta meilleure pote. Même si c'est ma meilleure pote. Bienvenue messieurs dames dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois de me regarder, je suis des games pro. J'ai fait de micro trottoir pour interviewer des gens par rapport au sujet du jour. Et le thème d'aujourd'hui, on va parler de nos ex. Pouvez-vous sortir avec l'ex de votre ami? Ah oui, c'est dur. On a eu quand même des vraies réponses. Je vous laisse suivre cet élément et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. You ready? Vous allez bien? Ça va. Et vous? Ouais, nickel. Beauté. 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 Vous allez bien? Oui, et toi? Ouais, super bien, et toi? Ça va. L'amour et l'argent, nous aimons bien. Soliste. Excusez-moi de vous déranger, bonjour. Salut. Vous allez bien? Ça va bien, et toi? Ouais, super bien. Bonjour. C'est des games. Déborah. Enchanté. Enchanté. Azuké, on va Azuké. Ça va ou quoi? Ça va et toi mon ref? Ouais, super, super bien. Toujours à Châtelet Léal. Ouais, tranquille, on est là. De temps en temps, tu vois, quand on n'a pas beaucoup de travail, bah, on vient là. Ah ouais. Ça bouge bien ici. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Tranquille et toi? Ouais, super bien. Et toi? Ouais, je vais bien, tranquille. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Très bien. Très bien. Ah, un beau sourire. Tu viens du travail, j'espère? Oui. Ouais. Vous allez bien? Ouais, ouais, super, super. Ah, des beaux gosses, ça. De quelle origine? Guyane. De où? La Guyane. Salut. Ça va? Oui, oui. Ouais, super bien, la tisse, mais... tu me regardes bizarrement, hein? Non. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, et vous? Ouais, super bien, et vous? Moi aussi. Pouvez-vous sortir avec l'ex de votre pote? Combien de fois on m'a fait ça? Non, vraiment, non, pas moi. Toi, tu l'as jamais fait, mais... Ouais, on m'a déjà fait ça. Franchement, plusieurs fois avec mes meilleurs potes, quoi. C'est un coup de crasse, peut-être? Ouais, de ouf. Mais moi, je peux pas faire ça, tu vois. Parce que, regarde, on m'a déjà fait ça. Je sais comment t'es quand on te fait ça, tu vois. Donc, moi, je peux pas faire ça. Genre, je me sens un bâtard, un mec sale, tu vois, un dalleux, tu vois. En fait, ça m'est déjà arrivé. Du coup, ça dépend de la situation. Mmh. Non. Non. Catégorique. 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 Sans réfléchir, vous répondez. Non. Pouvez-vous sortir avec l'ex de votre ami? Non. Jamais. Jamais. Non. C'est malsain. Ça me met mal à l'aise. Mais c'est l'ex, je sais pas, une pote et voilà. Donc ça pose, c'est gênant, ça pose problème pour vous. Ouais, je pourrais pas. Compliqué. Donc avec tes copines, c'est la famille quand même. Voilà, c'est comme la famille. Déjà ça, et même, j'aimerais pas qu'on me le fasse, et ça irrespectueux. Et si une copine à toi fait le contraire de ce que tu penses? C'est plus ma copine. Ouf, direct. C'est plus ma copine. Ça t'est déjà arrivé? Non. Une copine s'est tapée? Non, mais il y en a une qui a fricoté avec mon ex. Mm-hmm. Et c'est catégorique aussi. Ah ouais. Pouvez-vous sortir avec l'ex de votre copain? Ah, bien sûr. Bien sûr. Sérieux? Naturellement. Naturellement. Oh là là, oh là là. Naturellement. Ça t'est déjà arrivé? Oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais c'est pas possible! Comment on peut faire ce genre de choses? Pas du tout, moi je peux pas. En vrai, c'est sans fou. Bah ouais. Clairement, je peux pas me marier avec elle. Tourne la page. C'est longtemps avec, c'est les points ça dépend. Mais là, je change de place parce qu'elle me voit pas. Et alors, toi, tu t'es jamais tapé derrière le mec de ta copine? Non, jamais, je peux pas. Parce que t'es devant la caméra ou quoi? Non, pas du tout. Non, c'est prendre les restes des gens. Ne prends pas les restes des gens. Je sais pas, ouais. C'est... Je trouve que c'est pas propre et en plus de ça. Non, je peux pas. Et vous? Non, c'est dégradant. Non, à part si c'est pas. Ah ouais? Et vous? Non, moi je suis un bon, hein. Moi j'ai des principes et des valeurs. Hein. Et même s'il te fait un transfert? Oh Pierre, moi j'y vais direct. Ah ouais, direct, si c'est un transfert. Bah oui, s'il m'envoie, moi j'y vais moi. Mais tu te vois que c'est pas bon? Quoi? Genre même si c'est un transfert, tu vas direct. Si c'est un bon transfert, on y va. Ah ouais? Ah bah oui. Mais ton gars, il est passé et toi également, tu veux... Non, c'est sale quand même. Ah? C'est dégradant. Ouais, j'avoue quand même. Ah, tu trouves pas? De quoi?
tu vois, c'est dégradant. Genre, ton pote, il est passé là, même si t'es fait une passe et... Non, moi, je me suis dit que là, je dois être meilleur que lui, c'est tout. Bah alors, je pourrais pas sortir avec l'ex de ma copine, simplement parce que... Enfin, ça se fait pas pour ma pote. De deux, si elle l'a quitté, c'est pour quelque chose. Je vais pas récupérer quelqu'un qui est mauvais pour une pote à moi. Il sera pas bon pour moi non plus parce que je contrôle mon entourage. Ça, franchement, c'est impossible. C'est impossible. Non, vraiment, c'est impossible. Non. Je suis pas censé être ton ami quand même. Si c'est ton ami, si c'est ton pote, ton ami, ça dépend. Mais c'est limite impossible. Si vous avez vécu des trucs ensemble ou autre encore, c'est-à-dire que ça se trouve, toi, t'avais des vues sur elle ou en spread et tout. Tu n'osais pas lui dire la vérité ou autre encore. Non, c'est limite impossible. Franchement, non. Si y a une vraie amitié, c'est impossible. Il doit avoir normalement une marge de respect à avoir entre les trois, justement. Justement, il y a une vraie marge de respect à avoir entre les trois. Et vous, pourquoi pas? Parce que ça se fait pareil, mais déjà pour le respect de mon pote et aussi parce que la demoiselle justement, ça fait sale en fait. Excusez-moi les filles, excusez-moi, bonjour. 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 Une question pour YouTube, est-ce possible? Oui, oui, pourquoi pas. Pouvez-vous sortir avec l'ex de votre copine? Non. Non. Parce que tu es devant la caméra ou quoi? Non. Non, supposons le mec il est beau. Non. Jamais. Non. Alors là, négatif. Du tout. Mais pourquoi développer un tout petit peu? Rien que d'imaginer, je peux pas. Non, mais tout ce qui s'est passé. Non. Même s'il est célèbre. C'est dégueulasse. Bon, moi, j'ai appris quelque chose, tu vois. La prochaine fois, je sais comment ça se passe, je sais comment il faut faire les choses. Il faut jamais présenter ta meuf à ton pote, même si c'est ton meilleur pote. Franchement, évite le maximum possible. Si c'est ton vrai pote, il va comprendre la situation. Il va dire, il n'y a pas de souci, tranquille, c'est ta meuf. Fais les choses bien. Si c'est un mec qui cherche à, voilà, il cherche à faire débat et tout ça, ça se voit direct. Il faut éviter le maximum. Jamais, c'est pas du tout envisageable. Et quel message pouvez-vous faire passer aux gens qui disent non, c'est normal et voilà, selon vous? Parce que chacun partage, chacun a son avis. Je pense qu'il faut pas oublier de faire passer l'amitié avant tout. C'est à partir du moment où je suis très proche de mon ami, pour moi je considère que c'est comme ma famille. Et ma famille elle passe avant tout. Ta famille passe avant tout. Donc même si le mec il est beau, il est riche, jamais ça peut arriver. Bah on s'en fiche qu'il soit beau, qu'il soit riche, il sera peut-être plus là dans 10 ans. Mon ami elle sera encore là, si je l'ai bien choisi. Je suis Cartel Mando, Zairoi de Lix. En fait je dirais ceci, sortir avec l'ex de ton pote c'est pas bien, pourquoi? Parce que ton pote était là avec sa go et toi aussi t'étais là et dès que vous avez déjà fait quelques sorties ensemble, alors je fais jamais mon jeu après mon pote, tu vois, non? Je me m'achète que mon pote, alors là c'est pas bien. C'est un manque de respect et si c'est réellement mon ami, je vois pas pourquoi déjà d'une je poserais les yeux sur la personne avec qui elle est. Et ça me traverserait même pas l'esprit de toute façon. Ça t'est déjà arrivé? À moi, oui. J'ai une amie qui m'a déjà, on va dire, chourave mon partenaire. Et bah concrètement, je les ai envoyés chier, je les ai envoyés bouler tous les deux et j'ai détruite quoi, en gros. Hein, ouais. Jusqu'à présent, vous parlez plus, même avec ta copine là et ton. Ces personnes là, concrètement, je les bannis de ma vie. Hein. Tu disparais, pour moi, tu n'existes plus, voilà quoi. Et alors, même si ce mec, il est beau, il est riche, tu peux jamais te mettre avec lui vu que c'est l'ex à ta copine. Beau, riche, mais qui michto en gros, c'est ça? Non, moi le dire de michto, déjà d'une, je sors pas avec quelqu'un pour le matériel ou autre. Si je sors avec une personne pour sa personne, et même si c'est quelqu'un qui me plaît, bah concrètement, je vais pas poser les yeux sur la personne parce que la personne est avec mon ami. Et par respect pour mon ami, si c'est vraiment mon ami, je ne chercherai même pas à me poser ce genre de questions. Pour moi, c'est pas concevable. Ça dépend si mon pote il est d'accord, t'as capté? Ah ouais. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas tu sors avec mon ex ou je baisse ta grand-mère, un autre mec, il n'y a pas tout ça. Ah ouais? Il n'y a pas ça. Et si lui il me fait je le tue. Ah ouais, et toi? Si, y a moyen, si la meuf elle est vraiment fraîche, ouais. Mec, ça tombe pas. On se fait des passes d'entre nous. C'est vos bails entre vous alors. Si la meuf elle est d'accord aussi, tu connais. Profondeur. Oh là là, passe en profondeur. Non, ils sont chauds les mecs. On fait de tout, voilà. But de Griezmann, t'as capté ou pas? Oh non, coupe.